Construire l'identité révolutionnaire. Du docteur Ali Shariati aux éditions Al-Bourak, l'islam autrement. Par le concept d'auto-édification, c'est-à-dire l'édification de soi ou de sa propre identité, nous n'entendons pas qu'il faille faire comme les moines ou les fidèles de certaines religions, ce qui consiste pour eux à se détacher du siècle et à couper toutes les relations existantes ou celles qui devraient exister entre soi-même et la société et à prendre appui sur des valeurs imaginaires, abstraites ou héritées d'une religion ou d'une nation, ou basées sur des idéaux spécifiques déduits d'une morale religieuse ou soufie, tout comme nous n'entendons pas non plus qu'il faille faire comme les marxistes et considérer que l'auto-édification est juste un moyen pour nous amener à participer au mouvement politique contemporain. Note de l'auteur. Il s'agit plutôt d'une vision différente de celle des penseurs rigides de la première heure du marxisme. Ceux qui ont diffusé un marxisme dur, né sous l'influence de l'esprit expérimental scientifique du XIXe siècle, qui ont considéré que les facteurs sociaux et de classe déterminent l'homme dans l'absolu. Aujourd'hui, des théories marxistes reconnaissent le rôle de l'être humain en tant que volonté et conscience pour affronter le déterminisme historique, le pouvoir de l'environnement et la domination de la production et de la classe. Depuis Lénine et depuis la victoire de la Révolution chinoise notamment, la théorie du déterminisme historique a été remise en cause, surtout quand il a fallu analyser les événements en Asie, en Europe de l'Est, en Amérique latine et en Afrique. Comment le prolétariat occidental, puissant et cohérent, dans les sociétés industrielles puissantes, choisit une autre voie que la voie scientifique et inéluctable de l'histoire pour pencher vers le conservatisme, alors que les sociétés latino-américaines, africaines et asiatiques, qui n'ont pas atteint dans leur grande majorité la phase du gouvernement bourgeois, ni même pour certaines accompli leur phase féodale, choisissent le socialisme et la révolution, mettant en valeur l'esprit national et l'esprit de résistance au colonialisme. Ces deux voies opposées au déterminisme historique, dans le tiers-monde et dans le monde capitaliste, confirme le rôle de la volonté et de la conscientisation de l'être humain, ainsi que le rôle de la direction intellectuelle et politique pour changer la causalité matérialiste de l'histoire. La philosophie de l'histoire, l'analyse déterministe des sociologues révolutionnaires, la lutte matérialiste et des classes, et la victoire du prolétariat sur le capitalisme sont toutes des questions qui relèvent plutôt des livres, des théories et des recherches idéologiques. Concrètement, ces sujets dépendent de la volonté de la conscientisation, de l'éducation intellectuelle humaine, de la création des mouvements et de la direction. C'est ce qui explique l'importance de l'auto-édification individuelle, l'éducation par les valeurs humaines et la formation de l'être révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce qu'ils ont appris de la religion. L'auto-édification signifie pour nous se préparer de façon révolutionnaire tant au niveau du fondement que de l'authenticité et du but. Autrement dit, faire en sorte que l'essence existentielle mène le moi vers sa perfection. Viendra ensuite la participation au sort populaire que revendique notre perfectionnement et notre humanité. L'auto-édification exige la reconnaissance des principes suivants. Premièrement, l'être humain assume un rôle dans sa marche historique et l'évolution de son statut social, sans cependant sombrer dans le culte de l'individu, du chef ou de la personnalité, ce qui serait que mécréance, associationnisme et vice. Nous devons avoir foi dans la conscience et la volonté humaine et les considérer comme des causes dans le déterminisme historique et dans les évolutions sociales, qui s'appuient elles-mêmes sur des règles scientifiques et sur des causes et des facteurs matériels. Et c'est la même relation qui existe entre l'homme et la nature. Deuxièmement, l'homme ne peut demeurer fidèle, sincère et loyal dans une révolution sociale que s'il est au préalable révolutionnaire et en harmonie avec l'idéologie qu'il prône.
L'être humain révolutionnaire n'est pas le seul à participer à une révolution sociale. Les opportunistes, les aventuriers et les profiteurs y sont également très nombreux et représentent le germe de la déviation dans toutes les révoltes qui échouent du seul fait de leur participation. Le révolutionnaire est avant tout une essence qui s'est créée à nouveau, un être humain qui a fait de lui-même, en se construisant idéologiquement, le successeur de son moi, hérité des traditions et des instincts. Troisièmement, dans le sens individuel et le sens collectif, l'être humain n'est pas toujours et absolument le résultat de son propre environnement. Par environnement, nous entendons l'environnement naturel et matériel, géographique et régional, comme en parlent les géographes, historique, comme l'expliquent ceux qui croient au mouvement de l'histoire, l'environnement social, comme en parlent les sociologues, et l'environnement de classe, comme en parlent les marxistes. L'être humain n'est pas non plus ni prédestiné, ni soumis à l'hérédité, comme le pensent les biologistes et les fascistes. Bien que nous ne nions pas le rôle de tous ces facteurs sociaux, matériels et de classe, nous disons que l'homme peut être le résultat de sa propre fabrication, c'est-à-dire qu'il participe à sa propre construction. Cela ne doit pas cependant nous entraîner à une forme d'idéalisme ou plus particulièrement à une sorte de romantisme philosophique ou soufisme affectif évoqué souvent par les créateurs de la cité idéale. Ceux qui s'imaginent que l'être humain est une essence abstraite et séparée de son milieu naturel et social ou du déterminisme historique. L'homme est issu sans aucun doute de la nature et modelé par son histoire, la société dans laquelle il vit et la classe dont il est issu. Il subit également les conditions de sa naissance, de ses capacités physiques et de ses traits de caractère. Mais l'homme, en cours de perfection et en perpétuelle évolution, qui tend vers la liberté, dépasse tous les facteurs déterministes, scientifiques et matériels, et se transforme selon un processus d'effort en cause en fonction de la maturité de sa volonté et de sa propre conscientisation. C'est pourquoi, lorsque nous mentionnons le terme d'être humain, nous entendons découvrir dans la marche naturelle et dans l'histoire cette cause qui joue le rôle de vecteur, de créateur, de fabricant, d'organisateur et d'utilisateur conscient. Ce genre d'être humain peut dominer le processus matériel et scientifique de l'histoire en fonction de la mobilisation de sa volonté, ainsi que de sa conscientisation et sa connaissance matérielle et naturelle. Tout comme nous constatons que l'homme peut modifier la nature par son action scientifique et peut, grâce à son idéologie sociale, remplacer un régime par celui qu'il désire, il peut également se changer lui-même, en agissant sur lui-même afin de tendre vers celui qu'il désire être. C'est pourquoi l'auto-édification est une réalité expérimentale, semblable à celle de la construction de la société ou de la nature, caractérisée de surcroît par un message humain. Le point de départ de la conception de l'homme dans le Saint-Coran est en accord total avec cette explication. Dieu dit dans le Coran, à la sourate 95, verset 4, « Nous avons doté l'homme, en le créant, de la forme la plus parfaite. » Ce qui signifie que nous avons créé l'homme quant à son aptitude et ses potentialités de perfection au plus haut degré scientifique, puis nous l'avons renvoyé au plus bas degré. Le Saint-Coran ne traite pas de l'homme en tant qu'idéal abstrait ou absolu, hors du système matériel, des causes et des facteurs expérimentaux et scientifiques, et il ne le traite pas non plus comme un phénomène spontané, né du déterminisme historique, de la nature ou de l'hérédité. Ce qui veut dire que l'homme est en puissance un phénomène élevé et supérieur, bien qu'en réalité un phénomène matériel, terrestre et biologique. Dans le Saint-Coran, la création de l'homme ne s'est pas faite à partir d'une quelconque matière. En réalité, il est né de la terre, et qui plus est, d'une terre peu noble, de l'argile et du limon fétide en l'occurrence. En contrepartie, il peut, en puissance, s'élever aux limites de son indépendance, au-dessus des lois matérielles, pour parvenir à l'étape où le déterminisme naturel, l'hérédité, l'histoire et la société sont utilisés pour organiser le monde matériel, soit pour devenir maître de l'existence et traverser cette marche scientifique de la Terre jusqu'à Dieu. Cette évolution matérielle, scientifique et déterministe se dirige en même temps vers l'acquisition de la liberté grâce à laquelle se réalise l'aspect divin dans l'homme. C'est là aussi que se définit le message de l'homme ainsi que les messages de tous ceux qui savent comment guider la création. C'est dans ce parcours que se trouve la philosophie et le but de l'auto-édification. Car dans l'islam, elle n'est point un exercice négatif, mais une éducation positive. Dans ce domaine, une sourate dans l'honorable Coran décrit tout être humain
qui équivaut à toute l'humanité, comme une graine. S'il fait face à ses responsabilités, le message de l'être humain est naturellement celui d'un cultivateur. Si ce dernier travaille convenablement, la graine germe dans le sol et la boue et se développe. Tous les facteurs matériels et scientifiques concourant à son développement de la meilleure manière, jusqu'à l'apparition des feuilles et le mûrissement de la plante. C'est ainsi que le cultivateur récolte un fruit de sa graine, contrairement au cultivateur négligent et ignorant, qui oublie par traîtrise sa graine qui se perd par conséquent dans le sol, disparaît et se dissout dans les recoins de l'oubli. Le cultivateur se retrouve alors déçu et les mains vides. Dans cette éducation, le Saint-Coran ne s'appuie pas sur des questions cérébrales, idéalistes ou métaphysiques, mais pour tous les phénomènes ou les manifestations, il s'appuie sur les facteurs naturels. Le Coran dit, à la sourate 91, versets 1 à 7, « Par le soleil et son premier éclat, par la lune quand elle lui succède, par le jour quand il éclaire le monde, par la nuit quand elle obscurcit, par le ciel et son édification, par la terre et son nivellement, par l'âme et son harmonie. » Ce sont les facteurs sacrés qu'il faut utiliser pour la construction de soi. Pour cultiver cette graine enterrée dans nos tempéraments, à l'intérieur de notre héritage inné, de notre histoire et de notre système social. Chacun de nous est responsable et est le cultivateur de sa graine. Le Coran dit, à la sourate 91, verset 9, « L'homme qui purifie son âme sera sauvé. » Ce qui veut dire qu'il se charge du soin de cette graine. En effet, le verset suivant dit, « Celui qui la corrompt sera réprouvé, ce qui veut dire qu'il l'a laissé enfoui dans la terre. » Cette conception de l'être humain peut convenir aux penseurs conscients en tout lieu et vivant sous n'importe quel régime, quelle que soit la classe à laquelle il appartient. Elle signifie « Tu peux te débarrasser de ton déterminisme de classe, historique et social. » Une telle explication de l'être humain peut inciter le penseur qui appartient à la bourgeoisie ou à l'aristocratie, ou aux classes les plus laborieuses, à arracher son vêtement de classe et à se révolter, malgré la classe à laquelle il appartient, et à rejoindre et même orienter la marche de la classe opposée à la sienne, soit celle des nécessiteux et des opprimés. Avec une telle conception, l'homme ne saurait se soumettre si la société est dominée par un système inhumain, l'ancienne aristocratie ou la nouvelle bourgeoisie par exemple. Il faut toutefois que l'auto-édification ait un but, car c'est la présence d'une idéologie et d'un idéal qui lui procure une signification. La conception implicite de l'auto-édification est qu'elle doit se réaliser pour parvenir à un but donné ou faire une action donnée ou acquérir des traits précis. C'est pourquoi, avant d'aborder la méthode, il nous faut en préciser les buts. Si l'être humain a un motif précis pour participer à un mouvement politique social contemporain, il déterminera sans doute sa propre édification dans le cadre de cette visée. Si son but consiste à faire mûrir en lui les valeurs existentielles et intérieures, ou si le motif consiste à développer la vision intellectuelle, scientifique et philosophique, la question demeure la même. Il faut donc, avant d'entamer sa propre édification, préciser son idéologie, et pour nous, la question de l'auto-édification ne se pose qu'après la présence d'une idéologie. Quelle est alors notre idéologie? Le premier pas vers l'auto-édification consiste à renforcer cette appréhension ou cette crainte intérieure en nous de devenir la proie d'êtres étrangers à nous-mêmes. Pour un penseur, l'imitation reste la plus grande calamité d'être étranger à soi-même. L'imitation signifie, ici, que l'individu est prisonnier d'un cadre défini qui lui est étranger. Ce cadre pouvant être, premièrement, elle pourrait être traditionnelle. Ce qui veut dire que le cadre a été défini avant ta naissance, mais comme ceux qui ont installé cette tradition furent des innovateurs à leur époque, tu l'as accepté, bien que t'étant étrangère. Deuxièmement, lorsque tu te sens dominé par une sensation mensongère de t'être débarrassé des traditions. Il est possible que tu n'aies pas acquis ce salut par toi-même, que tu aies été attiré par l'imitation de certaines formes dominantes de ton époque, par certaines forces ayant un poids important, ou par des puissances qui prévalent, cela ne faisant pourtant que te transporter de la prison de la tradition vers leur propre prison. Tu as le sentiment dès lors que le changement de prison représente le salut, alors que tu n'as fait que passer d'un état à un autre état, qui t'est cependant toujours étranger. Le premier pas consiste à se découvrir et avoir foi en soi et en qui nous sommes,
non pas évidemment dans le sens d'une admiration ignorante de soi, mais le retour conscient vers les valeurs humaines que nous avions et dont nous avons été dépouillés. Nul doute que l'homme de demain, cet homme qui réfléchit pendant que sa face est tournée vers l'avenir, sera un être humain qui aura acquis la capacité de se libérer de toutes les prisons passées et présentes, celles dont nous avons hérité ou qui nous ont été imposées par le colonialisme. Il aura acquis cette envergure d'esprit qui lui permet de nouvelles découvertes auxquelles ne sont pas parvenus les anciens. L'idéologie de demain sera le résultat des expériences multiples acquises par l'humanité à des prix élevés, les impasses et les labyrinthes. C'est pourquoi elle consiste à se détourner de toutes ces routes qui n'ont pas abouti au salut de l'être humain et à découvrir les raisons de l'échec qui a entraîné l'effondrement des grands idéaux. L'idéologie de demain ne doit pas être issue des séquelles mentales et suggestives qui vivent en nous, ni des perceptions d'idées dont nous savons parfois d'où elles nous viennent. Des moyens d'information, officiels ou cachés, sans aucun doute. Pour choisir de bons idéaux, leurs bases doivent être solidement fixées. Et quelle base est plus fixe que l'avancée historique, soit le parcours évolutif et qualitatif de l'homme? Mais quel parcours évolutif et qualitatif pour l'homme? Si nous voulons choisir trois mots parmi l'océan tumultueux des mots humains, l'histoire en offre trois. Ou plutôt, le déterminisme de l'histoire qui avance à grands pas pour élaborer ses significations et ses trois dimensions. Premièrement, la sensation gnostique, irfan, soit le soufisme allié à la recherche du savoir, ce qui donne à l'essence de l'homme le mobile pour l'attirance existentielle vers les valeurs élevées et lui procure également l'énergie, cette énergie qui ne se trouve nullement dans les calories. Ce que la passion et l'adoration ont créé dans l'histoire humaine peut être considéré comme le trésor culturel le plus riche, la valeur et la beauté de l'histoire. C'est ce qui fait des petites gens de formidables tempêtes et du petit savant un grand savant, de sorte que la nature n'est plus, face à leur grandeur, que quelques cailloux lancés à coups de pied. De tels êtres humains magnifiques et de telles âmes merveilleuses, c'est précisément ce que la civilisation industrielle et bourgeoise qui domine, ainsi que les sciences économiques et la technologie sont incapables de créer. Deuxièmement, l'évolution humaine, et lorsque nous disons humaine, nous ne parlons pas seulement des individus aisés qui vivent dans toute société ou régime, car ils n'en sont que l'écume de surface. Nous signifions ici les masses innombrables qui ont constitué tout au long de l'histoire la matière essentielle de l'humanité, et qui continuent à l'être. Ceux qui furent de tout temps producteurs et toujours déshérités. Ceux qui procurent depuis toujours la nourriture, alors qu'ils ont eux-mêmes faim en permanence. Ces masses humaines magnifiques qui ont traversé le temps, tout au long de l'évolution historique, pour y découvrir leurs propres valeurs et leurs droits humains, et du même coup, découvrir leurs malheurs, les ennemis de leur classe et l'origine de leurs souffrances, pour finalement découvrir le chemin de la justice, de la suppression de tous leurs maux et de toutes les forces et systèmes qui les ont opprimés. L'élaboration de l'identité de masse dont elles sont dépourvues en vue de réaliser la justice humaine et l'égalité de classe, ou du moins, supprimer les distances entre les classes. Cette élaboration est en progrès de sorte qu'elle est la seconde dimension de la marche inéluctable de l'histoire. Troisièmement, l'homme est un phénomène fabriqué par la nature, mais il a cependant, grâce à son labeur, dominé la nature, en lui accordant un rôle négatif. Il a fait l'histoire et est devenu un produit de l'histoire. En dominant l'histoire, il fonde et impose ses systèmes sociaux. Et en dominant son moi instinctif, il accorde la suprématie à l'homme idéaliste au détriment de l'homme réaliste. La suprématie de ce qui doit être au détriment de ce qui est effectivement. Par conséquent, la troisième dimension de l'histoire vers la liberté est l'homme en mouvement. Mais quelles sont ces prisons dont les murs exercent une pression sur l'être humain? La première prison est représentée par la nature et la géographie. Il peut cependant s'en libérer grâce aux sciences naturelles et à la technologie. La seconde prison est représentée par le déterminisme historique, mais il peut s'en débarrasser en découvrant les lois, l'évolution et le processus de perfectibilité de l'histoire. La troisième prison est représentée par le système social, celui des classes, mais il peut s'en débarrasser en adoptant une idéologie révolutionnaire. La quatrième prison est celle de l'ego. Le Coran dit à la sourate 91, versets 7 et 8, « Par l'âme et par celui qui l'a harmonisé, en lui inspirant
son libertinage et sa piété. L'homme est pétri par la vie d'ici-bas et de l'au-delà, d'éléments divins et d'éléments sataniques. Des facteurs l'attirent vers la terre, d'autres l'attirent vers le ciel. Mais l'homme est confronté à de multiples choix. De là se pose sa responsabilité et sa prise de conscience. Comme le dit Maulana Jalaluddin al-Rumi, il se débarrasse des états multiples, différents et contradictoires dans une guerre qu'il mène en son fort intérieur. Il remplace le mélange des constituants instinctifs et biologiques par la volonté de l'essence pure et consciente, sélective et créatrice, et déterminée par le mobile et l'idéal. C'est de cette manière qu'il parvient à la réussite, al-Falah, qui est la libération de l'homme de la quatrième prison, l'ego, ce soi qui l'a incité à se connaître lui-même en raison de l'adhérence à la fois des instincts naturels, des coutumes traditionnelles et des inéluctabilités historiques et sociales, de manière à viser la pétrification et la sédimentation. C'est pourquoi la troisième dimension, qui est celle du processus vers le perfectionnement historique, se mène en direction de la découverte de la liberté, ou de sa création, qui représente l'essence humaine. Liberté politique, intellectuelle et artistique, liberté de croyance, liberté de choisir sa vie, et libre arbitre, représente l'immense acquis humain tout au long de son évolution historique. Si un penseur voulait se débarrasser de toutes ses prisons mentales et matérielles et fonder une idéologie générale basée sur la marche de l'évolution qualitative de l'homme et le mouvement global de l'histoire, s'il s'agit d'un penseur européen, il lui faudra réfléchir sur ces trois exemples que sont Pascal, mathématicien, philosophe et physicien français du XVIIe siècle, tant homme de science comme de foi. Cette essence de la passion qu'il a ressentie, dans les profondeurs de son être, la tempête de l'anxiété, tapie dans la nature première de l'homme, pour s'élever grâce à l'adoration des valeurs divines absolues. Et Karl Marx, philosophe, économiste et homme politique allemand, joua un rôle très important dans l'élaboration de la pensée communiste. Nous lui devons, entre autres écrits, le manifeste du Parti communiste. Cet homme qui a tout utilisé dans sa révolte afin d'empêcher l'exploitation par la minorité, de la majorité dans le besoin, exploitée et sans moyens. Il a utilisé son savoir pour défendre le droit des masses qui n'avaient pour devoir, dans tous les systèmes, que de travailler, être affamé, voire exploité. Jusqu'à son dernier souffle, il a préservé en lui la haine de l'oppression, de l'injustice et du capitalisme, de la vie libertine de la bourgeoisie au pouvoir à son époque, et de la duplicité, de l'ignorance et de la ruse intellectuelle qui y étaient pratiquées au nom de la religion. Il a préservé en lui cette haine vivace jusqu'à son dernier souffle et est resté fidèle à cet idéal sacré. Et troisièmement, Jean-Paul Sartre. Philosophe et écrivain français, fut l'un des grands penseurs du XXe siècle. Nous lui devons l'existentialisme. Il fut aussi contemporain et ami d'Ali Shariati. Sartre a considéré la liberté comme le critère de distinction entre le bon et le mauvais, la liberté et l'erreur. Bien qu'il ne pensait pas que la vie humaine ait un véritable sens, ou même que son existence soit d'une grande importance, il considérait cependant que la liberté devait être l'objectif premier de la philosophie de la vie, car existentielle pour elle. Sa foi en la volonté humaine était telle qu'il se permit d'affirmer que si un paralysé ne devenait pas champion en course, il en était le seul responsable. Quoi qu'il en soit, il est l'auteur de ces paroles éternelles. « Je ne suis pas d'accord avec tes idées, mais je suis prêt à me sacrifier pour que tu puisses les exprimer en toute liberté. Ose dire ce que tu as à dire. » Il ne s'agit en tout cas que d'une philosophie, et non de l'ombre de Dieu, ou du Fils de Dieu, ou du soleil sur la terre. Il ne s'agit pas d'un culte voué à un être plus élevé, ni d'une glorification divine, ou d'une protection seigneuriale de son sang. Il ne s'agit pas non plus de poser l'oiseau du bonheur, Amayoun, sur sa tête. Note du traducteur. Amayoun est un oiseau mythique iranien. La légende raconte que toute personne sur laquelle se pose cet oiseau devient roi. Ce nom est devenu un titre honorifique pour les rois iraniens jusqu'au dernier chah. Cette légende est également racontée dans le sud de l'Irak et d'autres régions du monde. Ni d'une philosophie issue d'un homme au sens spécial ou d'une race particulière qui poserait sa vision rétrécie sur tout, même sur l'humanité. Il s'agit uniquement de considérer la liberté comme un ensemble de volontés libres et de choix d'individus d'une société donnée,
en tant que source d'une puissance qui gouverne et qui éjecte les grandes puissances et les personnalités mondiales par le biais d'une piqûre de plume ou de pinceau d'un maître ou du miracle d'un metteur en scène. Elle défend l'homme sans abri, sans courber l'échine devant le pouvoir. Elle le protège par la force de la loi et prend sa défense face à un système puissant, cette puissance à même de fendre le noyau de l'univers, mais incapable de briser un crayon. Si puissant qu'il peut atteindre l'orbite qui domine la Terre, mais impuissant à faire taire une bouche. Si notre penseur vit en Orient et veut entreprendre la même expérience, il aura la chance de pouvoir se référer dans ce domaine à davantage d'exemples que son confrère occidental, car il a Bouddha, note du traducteur. Surnom donné à un prince, au 5e siècle avant Jésus-Christ, du Népal, de la tribu des Sakya. Il quitta le palais royal en quête de vérité. Après un long parcours, il finit par élaborer une philosophie plus qu'une religion. Il prêchait que toute vie est douleur et enseignait la manière de s'en libérer en 8 stations. Sa pensée s'appuie essentiellement sur le renoncement au monde matériel, oubli de soi et compassion infinie envers tous les êtres. Bouddha, le prophète non envoyé pour la liberté de l'essence humaine. Al-Alaj, l'homme qui a libéré les bienfaits de la vie de la prison de la propriété. 1200 ans avant Marx et la révolution industrielle, le travail à la chaîne et la machine à vapeur. Il a mené la lutte contre l'amoncellement des biens et le mariage par l'alliance des Cyrus et des hommes de religion. Parmi les épisodes de cette lutte, s'étend le jardin du martyr. Jardin effroyable où furent plantées dans la terre 20 000 têtes d'Iraniens, ces arbres sacrés qui se sont fructifiés dans l'islam. Mais si le penseur est musulman, et qui plus est pratiquant, il n'aura nul besoin de faire un mélange de ces trois personnalités pour obtenir un dirigeant, car il a déjà l'imam Ali, qui fut plus sensible que Mazdak et plus révolutionnaire que Marx, et qui a ainsi vécu, détestant et s'opposant aux puissants. Sa sympathie pour les déshérités était grande au point de dire, au sujet de ce que Ousmane avait pris dans le trésor public, « Par Dieu, si je le prends à se marier avec cet argent ou à acheter un esclave, je le combattrai, car la justice est sans limite. Et celui qui s'y sent à l'étroit est plus à l'étroit encore quand il opprime. » Cette âme dont la colère s'accentuait en présence d'une injustice était magnifique. Le jour où il apprit que ses ennemis avaient mené une incursion sur un territoire placé sous son autorité et qu'ils avaient porté préjudice à une femme juive qui était sous la protection de son gouvernement, il monta sur la chaire en colère, criant « Si un musulman avait été tué, nul n'aurait été à blâmer, car pour moi, cela aurait été mérité. » Comme si la douleur l'avait giflé et comme s'il ne pouvait supporter le poids de cette injustice et devait rendre l'âme, car l'imam Ali a vécu comme ont vécu les pauvres, alors qu'il était le dirigeant de l'empire le plus grandiose, au point de ressentir la douleur de ceux qui étaient les plus pauvres sous son gouvernement. C'est le même imam Ali qui réprimanda Maysam al-Tamar, son ami le plus proche, lorsqu'il l'a vu tirer les dattes avariées de celles en bon état pour les vendre séparément. Il lui ordonna alors de les mélanger et de les vendre telles quelles à un prix moyen. Que voulait signifier l'imam? Comment interpréter sa colère? Il voulait dire « De quel droit fais-tu des différences entre les gens ?» Il se mit à mélanger les dattes lui-même. Il ne croyait pas seulement dans le « à chacun selon son travail » ou à l'égalité de la propriété et des moyens de production. Il nous a transmis une conception plus élevée du système socialiste, qui est l'égalité dans la consommation. Quant au respect des droits de l'homme et de la liberté de penser, l'imam Ali excellait à un très haut degré. Quand il priait, il ne s'impatientait pas quand les kharijites et ses ennemis les plus déclarés le dérangeaient. Quand il faisait un sermon, il pouvait même l'interrompre et se moquer de lui. Même au sommet de sa puissance et de sa force, il n'a jamais porté le moindre préjudice à quiconque. Il était l'homme qui dominait le plus vaste territoire du monde, sans avoir ni prison politique, ni prisonnier politique, et sans jamais avoir assassiné d'opposants politiques. Lorsque Talha et Zubayr, des personnalités puissantes des plus dangereuses qui complotaient contre son régime, vinrent à lui, réclamaient d'être envoyés loin de sa surveillance, bien qu'ils savaient qu'ils souhaitaient s'éloigner pour fomenter un grave complot, il leur permit de partir, car il ne souhaitait pas légiférer contre les tyrans et les puissants, piétinant par une loi la liberté de l'homme pour des motifs politiques. Quant à la passion et au sentiment gnostique et soufi de Al-Halaj, cela n'était que de la cendre froide, comparée au volcan de l'existence de l'imam Ali. Avec une telle essence, il ressentait avec anxiété la douleur de son existence
de sorte que son âme, qui s'est élevée vers des hauteurs que même notre imagination ne peut atteindre, ressentait la défaillance de son retard, de sa faiblesse et de son hésitation dans la substance de son existence. Lors de ses prières nocturnes, dans ses retraites, là où se manifeste la sincérité limpide de l'essence humaine, il louait Dieu, disant « Combien de fautes as-tu éparpillées, et combien d'éloges dans lesquels je ne me retrouve pas et que je ne mérite pas, as-tu mis dans la bouche des créatures ? Combien de vilains actes as-tu cachés loin de leur regard ?» Par cette conception, la question du chemin à prendre devient claire. En choisissant notre route, nous n'avons pas choisi celle suivie par d'autres ou les routes secondaires qu'ils nous ont indiquées, ou celles sur lesquelles nous nous assoupions en écoutant la radio. Nous ne sommes pas non plus tombés dans le piège de l'imaginaire des penseurs, ni n'avons fait de notre conception philosophique des savants de la cité idéale, ni les insinuations soufies. Nous avons découvert la route la plus droite, celle qui distingue l'avancée historique de l'essence humaine vers la perfection. Certes, par ce regard, deviennent claires tant l'immensité de la question que la mesure de l'écart entre cette magnifique route et les ruelles étroites et sombres aux murs élevés, mais aussi parfois recouverts de plafonds, qui séparent ceux qui les empruntent des autres routes et qui leur cachent l'horizon. Ce regard indique jusqu'à quel point, en même temps, pour la compréhension de ces trois dimensions, le maintien de l'harmonie, l'illumination de l'affection et la foi, et notre conception s'appuie sur ces trois bases accueillantes et éloignées. Nous avons besoin d'une audace intellectuelle et d'une révolution essentielle dans nos âmes et du changement de tous les moules mentaux, de nos images intellectuelles et de nos dimensions affectives. Surtout lorsque ces trois dimensions se sont séparées les unes des autres tout au long de la marche de l'histoire. Elles sont comme trois fleuves qui se sont ramifiés à partir de la rive de l'existence humaine pour devenir à chaque instant des cours d'eau de plus en plus éloignés les uns des autres. Il est le grand drame de l'histoire, la manifestation de l'éparpillement de l'existence humaine. Si seulement elles n'étaient que séparées, elles sont également en conflit, les unes contre les autres, mais la grande imposture serait d'affirmer que chacune de ces dimensions est contraire à l'autre, est contraire à l'autre, est contraire à l'autre, et contraire à l'autre. Oh,